nouvelle édition du Hellfest. Les nouveaux succès. Tant au nombre de spectateurs que d'artistes de talent qui nous ont proposé un spectacle de qualité. Le Hellfest, rassemblement de personnes qui partagent les mêmes idées sur la société, voire de la vie en général. Des métalleux qui sont venus de loin pour faire la fête et trouver leur paradis, ou plutôt leur enfer. Enfer, ambiance démoniaque, symbole ostensible, musique puissante, vous entrez dans un autre monde. Un monde qui revendique la liberté de l'individu, le respect de chacun et surtout la tolérance. Bref, un vrai paradis terrestre. Paradoxe de cette idéologie, les grands artistes que sont Kiss, Alice Cooper, Motörhead et bien d'autres, nous ont refusé la possibilité de filmer ne serait-ce qu'une minute de leur spectacle. Nous sommes bien loin du mouvement idéologique des années 70 et 80. Malgré notre droit à l'information, tolérance de filmer 30 secondes de leur concert, nous respecterons leur volonté. Vous ne verrez donc pas d'images les concernant. Peu importe, d'autres artistes de qualité étaient présents et ont attiré notre attention. Avec tout d'abord Vulcain, une des figures les plus emblématiques du heavy metal français. Les Suédois Sabaton. Ils parlent de batailles, de guerres, d'armées, et leurs textes traitent des conflits modernes. Sabaton est le groupe qui monte dans la catégorie power heavy metal. Toujours en Suède, nous retrouvons Freak Kitchen, qui est probablement un des groupes les plus originaux des 10 dernières années. Les Suisses Helvetti, les flûtes, les viols, les cornemuses sont de sortie. Très original, très mélodieux, une musique surprenante qui vaut le détour. Bémol tout de même, après beaucoup de recherches, nos investigations ne nous ont pas permis de rencontrer Satan, à la fête de l'enfer. Le diable aura sans doute eu peur de l'humour noir des métalleux. All right. Oh. Are you okay? We have someone coming?